JMS Couture, une entreprise de mode, a présenté sa toute première collection dénommée Cacao Café. C'était au cours d'un défilé le samedi 18 février 2023 à Marcory. C'est la collection Cacao Café. C'est vraiment ma première collection couture que je montre au public. Voilà, c'était vraiment pour valoriser mon pays, valoriser la Côte d'Ivoire, les ressources de ce pays, travailler les matières comme la jute qui a été mise en valeur. JMS Couture décline sa production vers le prêt-à-porter hommes et femmes. Ce sont au total 20 tenues mises en valeur par des mannequins qui ont été présentées au public. Cette première collection est composée de toiles de jute associées à d'autres matières comme de la soie, du lin, du coton ou encore de la tulle. Proposer des tenues que l'on peut valablement porter dans la vie réelle est le principal défi de JMS Couture. Et ça a été un réel plaisir pour moi d'assister au défilé. Puis une fois, j'ai vu des tenues africaines en version européenne. Et il faut vraiment, vraiment beaucoup féliciter la dame, franchement. J'ai adoré. J'ai beaucoup de parents qui travaillent dans les plantations. Mon oncle a un champ de cacao café et je les vois souvent comment ils travaillent avec la jute, comment souvent ça m'a vraiment inspirée. Donc je me suis dit, je veux mettre ce tissu en valeur parce qu'on voit beaucoup de la soie, on voit beaucoup de choses, mais on a des matières ici qu'on peut travailler qui sont exportables à part le cacao café. La marque JMS porte les initiales des prénoms de Jacob, Mia et Sophia, les enfants de la directrice générale.